Et avec combattant de YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brandon Snow. Ou devrais-je dire Brandon Targaryen? Je ne sais pas, on va voir quoi, on va voir. En tout cas, Brandon est en chemin pour aller défendre le mur contre la longue nuit. Il est temps d'aller casser du White Walkers. On a vu leur puissance la dernière fois. Il faut maintenant les contrer. Allons-y. Salut YouTube, salut. On est toujours en live sur Twitch, bien sûr. Let's go. What the fuck, un dragon? Eh oui! Eh oui! Il y a un dragon. Oh, les Karl Stark, tu sais, du haut de la forteresse qui revoit passer le gars. Mais il disait pas faux, le con. Il a ramené un dragon. Et c'est lui qui le monte en plus. Attention au Dragon Slayer. Dragon Slayer? Comment ça, Dragon Slayer? King Slayer, mais pas Dragon Slayer. Vu la taille, c'est Balerion, la terreur. Bah, sur la carte de campagne, ça fait gros, oui. Mais il faut voir la taille du dragon par rapport à un cheval. Et là, ça fait, tu vois, par rapport à un âne, ça va au final, c'est pas non plus... il fait pas la taille d'une ville, le truc. Hop, on va repasser par Castle Black. Objectif. Libérer. Le nord du mur de la menace des White Walkers. Et alors, pour tout à fait être honnête avec vous, je sais pas si c'est faisable dans le mode, je pense pas, juste... On va aller casser la gueule aux Whites qu'on croise, quoi. Oh, bon. Oh, le gros dragon. Qui veut se battre contre moi, hein? Éloignez-vous ou je vous écrase. Stannis toujours pas mort, un vrai survivant. Voilà, en voilà. De quoi? The Brotherhood Without Banners? C'était marqué quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Enable Dragonfly. Donc là, vous voyez, il marche, le dragon. Mais on peut activer le fait que le dragon se mette à voler. Et lorsqu'on lance la bataille... Restez là! Infantry, tenez la position! Je vais m'occuper d'eux. Tiens, les White Walkers! Alors, on la prend plein le cul! Hein. Hop! On continue! Et il faut baisser le son parce que la musique, j'ai pas les droits! On continue entre les arbres. Oh, ça passe pas, ça passe pas. Oh, il va brûler la forêt, le con. On continue. Merde, la musique est trop forte. C'est débile, limite. C'est un mode, quoi. C'est un mode. On y retourne. Prenez ça. Heureusement que ça passe pas, bah oui, mais bon. Moi j'essaye, je teste le mode. Je teste le mode. Est-ce qu'on peut pas mettre le son du jeu, genre... Le son de la musique, genre très très bas, comme ça. Attention à Pateka, j'imagine. Alors on peut pas trop viser, hein. C'est vraiment... En fonction de là où on est... Et bah on peut... On peut cramer ou non. Bon, c'est une victoire. On n'a eu aucun mort. Voilà, les White Walkers sont décédés. Et objectif, Free Folk. Ah ouais, Free Folk? Non, je vais juste les libérer. On va pas se battre avec eux. Et la Night's Watch est toujours en guerre contre eux. Hop.
Objectif, devenir le plus... Objectif, gagner ma légitimité pour obtenir le trône de fer. Donc arriver niveau 4 de renommée en tabassant des whites. On a l'objectif. Allez, venez là, je vous prends les deux groupes en même temps, rien à foutre. Let's go. Un siège, ça donne quoi le dragon? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je sais pas, on va découvrir ça ensemble. On va bien laisser la zone... Oh, le dragon qui vole au-dessus de la ligne, c'est exceptionnel. Regardez, vue du sol. La dinguerie. Hop. Regardez-moi ça. Le dragon au nord du mur, oh, ça rend trop bien. Mené par la garde de nuit. Allez hop. On enchaîne, restez là, je m'en occupe. Alors c'est là où j'ai de la chance, c'est que je crois que les marcheurs blancs n'ont pas de troupes de qui combattent... Hop là. Pas de troupes qui combattent... Hop là. C'est trop satisfaisant. C'est exceptionnel. Qui combattent avec, à distance et qui peuvent me tirer dessus. Oh, comme ça rend trop bien. T'as vu ça, Benjin Stark? Ça en jette, hein. Ah, c'est autre chose que ton neveu, hein, Jon Snow. Oh là, il y a double musique qui se sont lancées. Ça rend trop bien à distance comme ça. C'est exceptionnel. Et s'ils en ont un en face, on fait comment? Alors dans l'idée, tu peux... Tu peux en abattre un, mais avec des armes à distance, quoi. Si t'as pas d'archer, t'es baisé. Voilà, ça c'est clair, ok? Si t'as des balistes lors d'un siège, je pense que c'est bien. Je pense que ça fonctionne. Tu peux tirer avec une catapulte dessus aussi, si t'es bon. Mais voilà, là, face au White Walker. Et clairement, on se met bien. Alors toi, tu vas prendre tellement cher, toi. Voilà. Allez. Infantry. Soldats du Nord, chargez! Ça rend bien. Je peux pas gérer la hauteur, pour ceux qui se demandent. Je contrôle ça comme un cheval, en gros, qui reste à une hauteur fixe. Et après, on appuie sur F pour envoyer les flammes. Et après, une fois que j'envoie les flammes, je peux pas arrêter, là, jusqu'au moment où ça revient, voilà. Et après, je peux renvoyer. Ça s'arrête là. Et du coup, j'ai aucun contrôle sur la tête lorsqu'on est comme ça. Et quand on est comme ça, je crois que je peux... Ah non, c'est seulement quand on est au sol, on peut faire gauche-droite pour choisir où on tire le feu, mais là, y a pas moyen. Trop stylé, ça. Hein. Regardez, les flammes qui continuent sur les cadavres et tout. Oh, comme ça rend trop bien, ça. De nuit, là. Oh, c'est exceptionnel. Mais tu peux plus le perdre, du coup, là. Je ne vous en dis pas plus, mais... Ah, je vous dis. Face à une armée d'archers, tu te fais déglinguer, quoi. Enfin, il faut gérer le dragon pour pas prendre la sauce face à une armée d'archers. Du coup, quand même, si. Il y a challenge quand t'es face à une armée de seigneurs de Westeros ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça reste très très fort, quoi. Vous voyez ? Du coup, s'il y a un dragon en face de vous, potentiellement, vous vous faites déglinguer la gueule. Mais avec beaucoup d'archers, vous vous en sortez. Débarrasse-toi de tes troupes pour gagner plus de renommée. J'avoue que t'as raison pour le coup. J'avoue que t'as un peu raison. Hein. Mais bon, non, on y va avec nos troupes. Hein. Mais au cas où on rencontre des problèmes de fou. Non, je garde mes troupes avec moi. Je veux pas prendre un meilleur stuff. Mais non. Je suis très bien avec mon stuff de soldat du Nord, là.
Ça arrive vite, ça. Oh là, il va falloir être bon. Bon, d'abord le White Walker. Oh, c'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas bon. C'était pas bon. Oh, bien, bien, bien. Allez, reculez-vous. Oh, c'est trop stylé de voir le champ de bataille en vue du dessus. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je vis ça dans Mountain Blade et l'expérience est folle. Le fait d'être en vue du dessus, du coup, tu peux commander tes troupes comme dans un Total War. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour placer les troupes, voir le champ de bataille, faire de la stratégie. Et en plus, t'as un dragon que tu contrôles. Donc t'as le meilleur des deux mondes en mode... Oh là. Oh non, faut pas que je TK. Je crois que je peux pas TK. Genre là, j'ai tué que le White Walker. Ah, c'est un peu nul, ça. Le top, ça serait vraiment de pouvoir gérer la hauteur. Allez, je le tente. Ouais, voilà, y a pas de TK. Bon. J'ai pas suivi, tu l'as eu comment? Bah, il faudra regarder l'épisode. Hein. L'épisode 1 de l'aventure. Je montre comment faire dedans. Mais en gros, il faut aller... il faut aller à Mantaris. Tu trouves Gimli. Tu te balades dans la ville, tu trouves Gimli. Et après, t'attaques le Targaryen qui... Enfin, le Targaryen. Le mec qui vient... Qui a du sang de Valinor, quoi. Valérien, pardon. Et qui a un dragon. Tu pourrais dire Camoulox à la suite de cette phrase, mais c'est vrai. C'est 100% ça qu'il faut faire. Trouver Gimli. Moi, je vous propose une paix. Your sovereign will not entertain peace. Oh là là. Jaw moment. Lord Commander of the Night's Watch. Il ne veut pas... Il ne veut pas... faire la paix avec les Wildlings. Gimli, un dragon, hein? Ah oui. Non, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Oh, bien sûr, c'est là qu'on voit que le mode est en développement et que du coup, c'est... C'est avec une quête où tu tabasses juste un mec dans une petite ville que tu chopes un dragon. Bon, plus tard, il y aura sûrement un moyen de faire pour que ça soit plus faisable. Quoi. Ah non! You want to tell me who you are? Or shall we just have at it? Non mais je suis là pour tuer du White Walker, pas pour vous battre vous! Arrêtez de piller tout le monde! Arrêtez tout! Non mais je ne veux pas vous tuer, je ne veux pas vous tuer. Je te challenge à un duel pour éviter du sang versé pour rien. Il accepte le duel. Alors, tu veux ton duel, Dracarys? Oh là là, duel d'honneur, 1v1 pour éviter de faire couler le sang. Plutôt content de moi. A changé ici. Ah, la blague était trop marrante. La joke était trop drôle. Avec un octogone armes égal. Bah, exactement. Je défie quiconque de dire le contraire. Voilà. Bon, on a un peu de bouffe. On a un peu de bouffe.
Rien de spécial, hein. Non, mais je vends tout, hein. Hop, hop, hop. Hop. Ah oui, d'accord. Non, mais là... Là, il y a un problème de... J'ai trop donné, là. J'ai clairement trop donné. Ok. Allez, hop, ça irait bien comme ça. Et sur ce, bon, on continue, hein. Homme du Nord. Attention à l'infanterie. Un peu d'archer, pourquoi pas. Hop. Allez, on repart à l'assaut de... Le problème, c'est que j'ai pas d'endroit où garder mes troupes. Donc j'ai pas envie de... Ouah, j'ai carrément... J'ai vachement gagné de riding parce que j'ai un cheval qui fait plein de kills. Ah oui, mais du coup, tous les kills me sont attribués. Du coup, j'augmente mes skills de fou malade. Ah, exceptionnel. Moins 50% de chance que vos prisonniers s'échappent. Plutôt cool. Steward. Wounded troops in your party are no longer paid... Ah, mais je paye plus mes troupes qui sont blessées. Plus 25% d'influence donnée. Ouf, allez, vas-y, on paye plus les troupes qui sont blessées, vas-y. C'est pas très RP, mais tant pis. Hop, on va partir sur full ingénierie, charme. Et maintenant, scouting, du coup. Très bien. Ah, on peut pas mettre plus de 10 dans une compétence, je savais même pas, oui. On apprend tous les jours, même après des milliers d'heures sur le jeu. Allez, corps à corps. Hein. Ça va très bien. Et du coup, pour les soldats et tout, j'ai pas envie de les donner. Hein. Ah, sinon, je reprendrai des troupes Stark peut-être si j'ai besoin après. Allez hop, on donne les troupes. Je donne tout. Type. Je donne tout à la garde de nuit sauf ma cavalerie. Sauf que là, du coup, j'ai trop de chevaux et tout. Oh, c'est une catastrophe. Ok, ça va, et on vend le grain, cycle les poissons, et là on est bon, j'ai juste un peu trop de chevaux, mais ça ira bien. Allez hop! PV, c'est intuable. Une flèche sur une monture, on peut faire 50 dégâts. Dans la tête, tu vois, enfin dans la tête tu fais plus même. Il n'y a pas d'armure sur l'animal. Donc, 5000 PV. Non. Alors là, pour le coup, là, l'armée, ça par exemple, vous voyez, je peux pas l'affronter ça. Et moi je suis pas là pour me battre contre les wildlings, je suis là pour me battre contre les White Walkers. Ouais, genre là, il y avait les 100 archers, par exemple, il y avait 130 archers dans l'armée en face là. Si les 100 archers me mettent une flèche en me tirant dessus. Ouf. Allez, venez à moi! Je vous attends! Ah, ils viennent pas se battre. Ah, voilà, si. Ouh, là, il va falloir être très bon quand même. Enfin,
Non, mais je pense qu'ils peuvent pas me tuer. Ils ont 830 troupes. Mais je pense qu'ils peuvent... Là, je pense que là, ça, c'est le Battle of Time. Je suis à 11 troupes. Enfin, je sais plus combien de troupes, pas beaucoup. Face à 900, là. Repliez-vous. Je m'occupe d'eux. Allez-y. Repliez-vous. Brandon, couvre votre retraite. Soldier, move! Soldier, forward! Je les laisse venir à moi. Et là... Ok, j'en ai eu 2 sur 4. C'est pas assez. Faut que je défende Brandon. Et Tyrion, ils sont à la traîne. Un moins. Oh là, oh là. Mon personnage a du mal. Allez, reculez. Je veux tuer les White Walkers d'abord. On dirait qu'il ride sur l'armée quand il est au-dessus. Attention, il y a le White Walker qui me ride dessus. Non. Non. Oh non. Oh non. Je suis bloqué. Non. Je peux pas me replier. Non. Repliez-vous tous. Non. Je suis descendu. Non. Mon dragon. Oh le fiasco de fou malade. C'est bon, mes mecs sont pas encore morts, ils ont réussi à se replier. C'est bon. Le dragon est revenu me choper. Il a réussi à se sortir des arbres. Et on attaque. Under my orders, fuck. Everyone retreat. Allez, barrez-vous, je m'en occupe. Une fois que vous êtes descendu dragon, vous pouvez pas remonter dessus. Hein. Il est Bézax. Ok, c'est parti. Ça rend trop bien avec les sons et tout, c'est vraiment exceptionnel. Alors on n'est pas sur la qualité d'un jeu triple A hein, qui rajouterait une vraie mécanique de dragon ou quoi, mais on est quand même, c'est dans l'immersion et ça marche quoi, pour kiffer comme ça. Allez hop, ça part. Oh, je suis en train de spammer F là. Ok, je vais pas me faire avoir 40 fois, je vous le dis. Je m'arrête et je repars. Allez hop! Sacrabouille! Il fait chaud dans le nord, dis donc, hein? Hey, hey. Summer is coming! La longue journée! Hein, la longue journée au soleil! C'est quelque chose qu'on adore super. Chaque fois c'est pareil. Y a un super terrien qui débarque avec un 2 ou peut-être 3 dragons. Et vous faites cramer la gueule et c'est super trop bien. Ok. L'ambiance est chaude ici. Ça, vraiment, les White Walkers, ils ont rien. Il faudrait que les Whites, ils puissent... genre, les marcheurs blancs, ils puissent envoyer des missiles, là, comme le roi de la nuit. 281 de renommée, 313 d'influence... Enfin, 213 d'influence. Ça y est, nous sommes... hop, on prend les White Walkers. Nous sommes très clairement les héros... Les héros de Westeros.
Ils en ont de la bouffe, les White Walkers, la vache. Impressionnant. Ah, c'est des gros mangeurs, hein. Faut pas croire. Comme tout le monde, ils aiment bien manger. Hashtag nerf dragon. Alors, pas nerf dragon, je suis pas d'accord. Il faut que les White Walkers puissent avoir de quoi contrer. Parce que là, je vous jure, j'ai attaqué l'armée de Wildlings avec les géants archers plus les archers classiques. Je me faisais plier en deux. Si j'ai pas une armée pour me soutenir. Là, j'ai pas d'armée. Non, je me ferais plier en deux. On va essayer de remonter la trace. Ils ont l'air de tous venir par ici à chaque fois. Voilà, il y a l'air d'en avoir d'autres là. On y va. Voir au niveau de la renommée. Ok, on est pas mal. Non. Ça augmente. Under my orders. Hashtag balise mobile. Ça serait cool d'avoir des balises aussi. Ouais, et puis le mode est en développement. On peut tout à fait imaginer. Tiens, je vais me mettre de l'autre côté. Bah non. C'est pas ouf. On peut tout à fait imaginer. On peut tout à fait imaginer qu'ils prennent le système de balistes du jeu de base et ils les rendent mobiles et qu'on puisse en avoir sur le champ de bataille. Et du coup, ça fait un outil anti-dragon. Ça serait RP parce qu'il y en a dans la série. Les bouquins aussi, j'imagine, bien sûr. Tu vises le cavalier et pas le dragon, ça doit être facile de s'en débarrasser. Alors comment te dire que vu d'en bas, tu peux tirer hein, sur le rider, tu peux tirer sur le personnage. Mais comment dire que, ah quoique, ça peut peut-être se faire. Genre là t'es en archer, t'es là, tu vises le mec qui bouge sur son dragon à cette vitesse là. Ça va, c'est pas si rapide que ça. Ouais, y a peut-être moyen, mais bon, un joueur pourquoi pas, mais il y a... Quoique, peut-être. Mais bon, là, je vous dis, c'est invincible le truc parce que j'ai pas d'ennemis qui tire en face. Quoi. Dès qu'on est face à un adversaire qui est capable de tirer. Avec une volée de flèches, en vrai, ouais, y a moyen. Bon, à chaque fois, on a la musique de la série en fond. À chaque fois, j'utilise le dragon. J'espère vraiment que je vais pas avoir de strike et que j'ai mis la musique assez basse pour que ça marche. Bon, on verra. 32 de renommée. Ah bah pas tant que ça du coup là. Hop là, on prend juste les marcheurs blancs. Nous on n'entend pas la musique, on n'entend rien. Ouais bah parce que je l'ai mis tellement bas que bon. Désolé, je peux pas faire autrement vraiment... Solup, merci beaucoup pour le petit message sympathique. Bienvenue sur le live pour ta première fois. J'adore TV vraiment, c'est incroyable. Ah, merci beaucoup. Je fais de mon mieux pour partager ma passion et kiffer avec vous, combattants. Vous me le rendez bien, donc merci beaucoup. Ozara, merci pour le Prime, merci de franchir ce pas qui permet de financer la chaîne. Et s'il n'y avait pas quelques personnes parmi vous qui. Tant de personnes, même il n'y en a pas beaucoup. Qui aidait à financer la chaîne un minimum, et ben, oh là là, il n'y aurait rien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux arts. Allez, les dragons. Allez, Sauron. Allez, Captain. Il a fait le mix. Il a fait le mix de la journée. Merci beaucoup. En même temps, sur un dragon, tu peux être équipé comme tu veux. Donc, full plate et c'est parti. Peut-être, oui. Je me demande si je tenterai pas un coup à terre. Je tente. Under my command. Il y a un monde où je vais regretter. Forward. Allez, repliez-vous. Oh, je vais tellement regretter. Bah, je vais tellement regretter, en fait. Le timing était pas bon, il a failli s'arrêter de cracher du feu au moment où ils étaient tous devant moi. J'avais trop pré-shot.
Vous l'entendez pas la musique là? Elle est très très basse, mais bon. Encore une fois, je peux pas faire autrement. Bon, ça marche pas si mal au sol, mais il faut. Voilà, faut pas faire contre plus d'ennemis là, parce que si j'en rate quelques-uns, c'est fini en fait. Il me tape le cheval et puis. Terminé en fait. Enfin, il me tape le cheval, pardon, le dragon. C'est n'importe quoi. Il me tape le dragon et c'est fini. Après, il a... Oui, mais ça m'a mis un HP. Mais à partir du moment où ils sont encore à corps, je peux pas fuir. J'ai pas la vitesse pour, je crois. Ah, peut-être que je peux écraser avec le dragon. Parce que j'ai pas de possibilité de bouffer avec. Peut-être que je peux écraser en courant vite, genre. Ok, je mets mon dernier point sur quoi, là? Sur la lance? Oh, j'aurais pu mettre sur la mat demain, on s'en fout. Plus de White Walkers ici. Pas mal, pas mal. On a pas mal libéré la zone, j'ai l'impression. Hein. Ah! Voilà d'autres! Hideout trouvé. Un hideout de whites. Oh là là. D'autres marcheurs blancs. Je viens de YouTube pour aller à un dragon. Ah, il faudra regarder l'épisode 1 de la saison 2. Oh, je suis trop haut, j'arrive pas à toucher. Attends, mais là du coup je suis à cette hauteur et y a rien d'autre à faire. Attends, mais y a un souci là. Y a un souci parce que je peux pas combattre. Je peux pas combattre. Je suis à une hauteur fixe. Non. Oh là là, dans les arbres. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Oh là là. Oh là là. Ça y est, bloqué. Ah, c'est bon, j'ai réussi à en sortir. Ok, en étant à cette hauteur, il y a moyen. Donc là, il faut que j'attende l'ennemi. Voir ce que ça va donner. Bien, le White Walker, crame. Cramé. Et comment ça, il crame pas? Je vais m'énerver. Je vais me mettre par ici. Et comme là, je vais devoir remonter, ça va être parfait. Ils vont être dans le couloir. Je vais les déglinguer. Ok. On arrête. Et on est reparti. Voici, c'est la bonne. Pas mal du tout. Je m'arrête devant le... Il y a vraiment moyen d'arrêter rapidement et de... Et de repartir vite comme avec le cheval. Genre si vous faites deux fois en avant, deux fois en arrière. Hein? Tu joues avec ta barre espace, tu peux... Tu peux baisser le... Comment je fais pour baisser la hauteur du dragon? Je peux la baisser? Oui, souris barre espace. Comment ça souris barre espace? Barre espace, ça monte. Non, je vais pas monter plus parce que... Soit je regarde en haut, soit je descends. Oh, c'est exceptionnel!
Eh ben, ça marche très très bien. Tu peux te poser normalement, non? Non. Non, non. Le mode ne permet pas de se poser pour l'instant. Ah, c'est stylé du coup, hein. Bon alors. Arrêtez de se battre dans les endroits chiants, là. Le dragon vole au final. Bah en fait, soit vous avez une version qui marche du dragon, soit une version qui vole. Et vous n'avez pas le truc qui fait que vous passez de l'un à l'autre. Oh là là. Image de fou. Duel of fates. Dinguerie. Allez, tiens, prends ça. Je rêverais d'un MMO comme ça. Et eh ben, moi aussi. Mais bon. Pas MMO, je sais pas. Il y a des jeux plus multi. Moi, j'aimerais bien un Bannerlord en coop, j'avoue. Hein. Ça me plairait bien. Mais bon. Ou en multijoueur, quoi, où tu peux faire tes campagnes avec tes amis et tout. C'est dommage qu'il ne tue pas, il fait que blesser. Tu sais, il y a un mode campagne en coop. Alors si je dis j'aimerais bien que ça existe, il n'y a pas. Il y a un mode de la, fait par la communauté qui est en développement, mais bon. Tant qu'on n'a rien de concret, et on n'a rien de concret pour le moment, il faut pas y aller quoi. Bon, et ben... Le grand stronghold des White Walkers est là. La base arrière. Il est temps de trouver leur chef. Mais alors, est-ce que je suis assez fort pour faire quoi que ce soit? Aïe, aïe, aïe. Et c'est alors que Brandon Snow... Le grand sauveur de Westeros s'avança, accompagné de Benjen Stark, de Tyrion Lannister et de ses quelques fidèles qui l'ont suivi jusqu'au bout du Nord. Ah putain, je peux... Benjen, il est blessé. Il est venu jusqu'ici, mais il peut pas faire le combat final. Ah, eh bien, on fera avec. Soldats, c'est ici maintenant que nous arrêtons leur progression. C'est ici que nous sauvons le monde des vivants. En avant. Avec moi. Hop, j'ai du mal, j'ai du mal. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh là. Oh non, me dis pas que j'y crash. Oh, y a crash. Non! J'ai voulu faire un truc. J'ai voulu faire un truc avec un mode et ça n'a pas marché. Le mode marche pas. Oh! La puissance des marchands blancs est bien trop grande! Pourquoi tu fais la voix de tous les présidents de GPS 4? Je vois pas de quoi tu parles. Il bug trop ce mode, j'ai vite arrêté. Alors moi j'ai un crash parce que... Parce que je... J'ai eu un crash parce que je... J'ai utilisé un autre mode qui fait que ça a crash. Enfin un truc que j'aurais pas dû faire quoi. C'est... Moi j'ai pas eu d'autres crash avec juste le mode de base quoi.
J'en ai peut-être eu un. J'en ai eu un. Un truc comme ça pendant toute l'aventure. Et franchement, on a pas mal à jouer, donc... Niveau stabilité, moi, j'ai eu aucun souci, là. Avec cette version-là, bien sûr, avec la version 5.5. Avant, je crois que j'avais essayé de jouer au mode, justement, et c'était un... Il y avait rien en termes de contenu, déjà. Et c'était pas prêt, et ça fout de la bugger, quoi. Mais vraiment, il y a des années, genre, il y a 2 ans, genre, j'avais testé ça. N'a rien à voir, maintenant. Bon, le mode a mis 30 minutes à se lancer la première fois. Et ouais, parce qu'il y a le shader, il y a tous les shaders qui se build au début. Et il vaut mieux installer le jeu sur un SSD pour essayer de pallier à ces soucis, non. Perso, c'est juste avec Survivor the Soldier, c'est kata. Ah merde. Terrible. Bon, on y va, ouais. On fait la volonté. Non mais attendez, à un moment, il faut... Ils ont branlé. Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils partent où, là? Allez, on y va. Il y en a pas mal, hein. On continue. Il est temps de libérer le monde de ses démons. Parfait, on continue. Merci Bitou au Nord Bitou. Merci pour les 32 mois d'abonnement. C'est extrêmement grand comme nombre d'abonnements. Merci beaucoup. Merci Bitou au Nord Bitou pour ces 32 mois. Alors, il est stylé ce mode. Il est très stylé. Il est en développement encore pour l'instant. Donc, il y a plein de choses stylées. C'est en cours de devenir un banger. Voilà. Est-ce que... Il y aura assez de taf mis bénévolement dans ce mode pour que ça devienne le banger ultime, je ne sais pas, mais... Et pour l'instant, c'est très rigolo. Je passe un bon moment. En zigzagant, avec pour objectif de vous montrer ce que le mode a à offrir aujourd'hui. En zigzagant et en évitant tout ce qui n'est pas fait pour le moment. Le Barjo qui a Prime juste avant, merci pour ton premier mois d'abonnement, merci de venir le claquer sur cette chaîne. Merci beaucoup. Xantraï, merci pour le subgift offert à Aymric. Désolé, il manque des lettres. Allez, bat-toi! Bien! Il y en a d'autres qui arrivent. Avec les sounds, avec les sons, ça marche trop bien. Genre vraiment, pour moi, il y aurait moyen de faire une partie section du jeu là en mode horreur un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après là, bon, j'enchaîne un peu le truc et je les déglingue. Genre là, si j'étais solo, je serais beaucoup plus en PLS et j'aurais les ennemis qui viendraient au corps à corps. Il y aurait moyen de faire un truc de tension où t'es dans un donjon un peu sombre et avec les sons ça te fait peur, genre. Et tu mets un peu d'enjeu, genre si tu meurs, la quête, tu peux pas la refaire si t'es dans une quête. Franchement, ça pourrait être très très cool. Mon Dieu, c'est lui! Jon Snow m'en avait parlé! Le roi de la nuit, The Night King! You've cut quite a swath. Bon, alors il parle apparemment, il parle et puis il a l'air sympathique. How about we settle this one on one? Il me propose un duel! De l'or, merci. Il y a un White Walker, 2 White Walkers, 1, 2, 3, 4 Whites. Moi de mon côté. J'ai Brandon Snow qui n'a pas une lame en acier valérien.
Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soldats avec moi. 9 contre 8. On est 10. 10 contre 8. Merci beaucoup le Barjo pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci Destiny FR pour le Prime. Merci beaucoup. Sachant que voilà, lui, il est vénère de fou. Il est un fou malade. Duel de rien, bordel. Pour la gloire, accepte le duel. C'est parti pour le duel. Mes attaques rebondissent sur lui. Ah ouais, d'accord. C'est tellement perdu. Je ne peux que me battre sur la défensive. Bon, et ben il nous aura mis une belle claque, le le roi de la nuit. Regarde le stade dans l'encyclopédie. Night King. 300. Armure 99. Body armor 99. Arm armor 49. 49, 50, 50, 50. Bon. Swing damage 183. Ah, comment dire? On repassera, quoi. On repassera. Je sais pas si il y a des armes en acier valérien ou des trucs comme ça. C'est pas le Night King de la série, celui-là. Ah non, Man's Raider. Non, arrête tes conneries. Arrête, Man's Raider. Il est là. Ah, il ressemble bien à la série, je trouve, un peu. Enfin, ça marche pour Bannerland, quoi. Au moins, on a survécu, je suis pas mort au combat. Traveling spring during night time. Ouais, on va plutôt se balader rapidement le jour. Et on va mettre un point sur. Allez, arme de main. Allez, le roi de la nuit au-delà du mur, bah il nous a cassé la gueule. Hein. Là, j'avoue, je. Ah, il y a d'autres whites, ça a déglingué là. J'avoue, je n'ai aucune idée de comment l'abattre. Under my command. Non. On recommence, parce qu'on peut pas remonter sur le dragon. On my command. Si, en fait, si je pouvais ramener le dragon dans le bordel, il n'y aurait pas de soucis, hein, mais bon. Le truc, c'est que c'est pas possible. Everyone, hold back! Ouais, il y en a combien? Merci. Ah oui, ah non, mais la musique, j'ai pas le droit. J'ai mis longtemps à trouver. Ah, j'ai mis longtemps à trouver, très très longtemps. Agados, merci pour l'année d'abonnement en tier 3 magnifique! Incroyable! Merci beaucoup! Agados le fou! Agados le héros! Parce que tous les héros ne sont pas un peu fous. C'est beaucoup. Hop là, on crâne l'armée des White Walkers. En swingant avec le dragon. J'avais joué à la release du jeu. Un peu déçu du manque de profondeur à ce moment-là. Ça vaut le coup, ce genre de mode, si on aime l'univers, ou il vaut mieux attendre. Attends. Je conseille d'attendre. Si tu trouves qu'il y a un manque de profondeur dans Bannerland à la sortie. Attends. Il y a des géants chez les sauvageons. Ouais.
Ah ouais, ouais, on les a vus précédemment dans l'aventure. Épisode 8, épisode 7 et 8 de l'aventure de Brandon Snow, si tu veux aller voir ça sur YouTube. De l'or, merci. Et dans quel univers on tue un dragon dans Bannerlord? Bah, il faut avoir des archers. Et des balistes, mais là, il n'y a pas, donc... Merci beaucoup pour les 100 bits, le barjo. Encore des cadeaux. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. C'est important. Comment est-ce que je vais me démerder là pour déglinguer le roi de la nuit? Je ne sais pas. Et alors là, vraie question. Parce que là, on arrive au bout de ce que je connais du mode, de ce qu'il y a dans le mode. Il y a un autre truc que j'aimerais qu'on fasse. Mais est-ce que vous savez s'il y a genre une épée en acier valérien ou un truc comme ça qui permettrait de le déglinguer? Je pense pas que ce soit dans le mode. Hein. Je pense pas que ce soit là. Mais si quelqu'un a une info, je suis preneur. Bannerlord Online est-il encore viable aujourd'hui? Tu me chauffes grave avec tes contenus quali sur le jeu. Bannerlord Online, c'est... J'ai pas testé les dernières mises à jour, mais bon, globalement, c'était un peu toxique quand même, niveau communauté. À part ça, le rythme du... Oh, il y a Jon Snow. Jon Snow, file-moi ton arme. It's been a while. Very well. What? Il me faut ça. Faut que j'arrive à ce que Jon Snow me rejoigne. Mais je crois que ça va pas être possible. Y'a moyen de voir son équipement, genre les stats de son équipement, je crois pas. Forge là son épée. Ouais, compliqué. Moi je dis que les 440 mecs sont tuables avec le dragon. Oui, mais déjà c'est pas dans mon RP. De deux, c'est un risque de perdre le dragon, c'est tout. Je suis pas allé jusque là, perso. J'en ai vu chez certains marchands des armes en acier valérien. Je sais pas ce que ça vaut. Donc il y a un monde où il y a des armes en acier valérien. Genre dans des marchands comme ça là. Ah, il y a des Kingslayer Sword. Wow, c'est stylé de fou, hein. Valiant Steel Sword. Oh putain, ils m'ont ramené une armée. Ils m'ont ramené une épée. Une épée en acier valérien. Qui me demande toute ma thune. Wow, comme c'est stylé de fou, malade. Comme ça rend trop bien. Bien aimé celle-là. Là. On y retourne. On y retourne. C'est une arme à une main ou pas? Oui, c'est une arme à une main. Et niveau armure, y a pas moyen de faire mieux. Night's Watch Brigantine. Hop là, l'armure de la Night's Watch. Ranger Boots. Ok.
Night's watch clock. And now my watch begins. It shall not end until my death. Ah, je vais garder mon casque de Stark. Eh, hey, je suis stylé quand même là, non? Il y a un côté un peu Witcher, un peu, avec les épaulettes comme ça. Stylé de fou! Oh, il y a un arc encore pire. Hein. Ah ouais, d'accord, j'avais vraiment beaucoup d'équipements sur moi qui n'ont rien par dessous, là. Alors, attendez, je suis un peu en PLS. Surtout mes équipements, je suis pas mal. Là. Ah oui, c'était ça que je voulais. Arc flèche. Eh ben, on est très bien. Wirewood bow. Ok. Le retour face round 2 face au Night King. Ça va, je vends 18 White Walker, ça me rapporte 18 000, c'est pas grave. 9 000, pardon, en plus j'ai n'importe quoi. Pas ouf, pas ouf, on aurait aimé un peu plus. On y retourne. Tu connais le mode pour forger les épées valériennes? Pas de quoi tu parles. Prends une épée valérienne dans chaque main. J'ai vu, il y a des armes pour les mains gauches. Ah, t'as raison. Et le mode rajoute ce genre de contenu, je crois. J'avais vu. Maintenant, tu as fait un flash dans mon esprit. Mais comment je sais si c'est une épée Comment je sais si je peux avoir deux... Ça marche que si tu craftes l'arme en main gauche depuis la forge. Ah mais du coup j'ai aucune compétence de forge donc c'est nul. Ah mais du coup c'est à chier. Ah, dis peut-être. Si. Ah oui. Oh, le manche en mode en mode Star Wars. Ah mais par contre, j'ai clairement pas le Mais j'ai clairement pas de quoi faire à ce niveau-là. Bon, si on fait un exemple. En acier valérien, on prend ça. Ouais, peut-être ça. Ah, ils ont fait des armes de fou malade, hein, quand même. Ça claque de fou. Bon, 40 de lingots que j'ai pas du tout. Ok, bon. Euh...
pas moyen d'avoir ce qu'il faut. Hein. Je pense. Ouais, même là... pour forger une arme main gauche, il faudrait vraiment donner. Bah, j'ai envie d'essayer ce gameplay main gauche là, c'est terrible. Ça n'a aucun sens de forger une arme main gauche ou une arme ou une épée main droite. J'achète une arme qui vaut. Est-ce qu'il y a les armes main gauche? Non, ça n'a pas l'air d'être là. J'achète une arme main gauche et enfin main droite, je l'envoie aux chiottes et j'utilise une arme. Une arme main gauche de menu, quoi. Je sais pas, le barrio. Quand on aura fini la publication des épisodes Le Fracas d'Henri. J'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de se la dropper. Donc c'est une catastrophe. Drop-toi les lingots. On est sur un mode en développement, on peut pas lier au problème de développement du mode. Absolument. On a mal aux yeux pendant 3 minutes, on n'a rien vu, exactement, effectivement. Hop, hop, hop. C'était 40 qu'il fallait. J'aimerais bien pouvoir aller me coucher. Bah, suffit de couper le live et tu regardes la rediff, hein, ils ont travaillé tes abonnés. Pas de soucis là-dessus. Et bon, je comprends. Alors, voilà. Donc là, je veux forger arme de ce côté-là. Je prends ça. Je prends... Voilà, on va faire un truc à peu près classique. Hein. Ça me paraît très bien, ça. Oh non, il va me manquer un de fer comme ça. Ça va être insupportable, ça. Je reconnais. Allez hop, on va prendre ça. Juste là, il me faut un de... Un de métal. Allez, on va y arriver. Tac.
Tac. Forger. Je crois qu'on est bon. Et ça va me baisser les stats de l'arme de fou malade parce que j'ai pas les compétences. Mais nick. C'est quoi le jeu? Le jeu c'est... C'est Mountain Blade 2 Bannerlord. Et le mode s'appelle Realms of Thrones. Transformé en mode Seigneur des Anneaux. Game of Thrones, pardon. Et hop, je m'en rachète une autre. Que je vais envoyer aux toilettes. Et on sera bien. Voilà, comme ça, c'est CRP. Comme ça, ça fonctionne. Ok. Ça, ça tège. Ça, ça tège. Et du coup, voilà. Là, on est bon. Pareil, je vais tège... les lingots hein, que j'ai en plus. Et comme ça, on est RP. J'ai acheté une arme très très chère. Et c'est... Enfin, deux armes. Et les deux sont... sont assez valiants. Ça m'a coûté le prix de deux armes. Alors, on est bon. Forgeant à l'épée, t'as gagné 25 points de forge direct. Bah ouais, parce que l'armée... Ok. Bon. On va juste aller dans un village à côté pour s'entraîner un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette fonctionnalité? On va la tester ensemble pour la première fois. Oh, déjà mon dragon. Qui vole. Allez, reste là, mon petit. Ah ouais. C'est marrant, ça marche bien, hein. Hop, 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 tac, 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 bam, bim, boum, bam, bam. C'est trop stylé. Ok, ok, ok. Et on a un peu l'arc. J'arrive à tendre l'arc très très vite. Extrêmement précis, assez rapidement. Allez, je vais venir te chercher. Le Night King. Qui nous tue. C'est noté. Allez, on y va. Ah, mais incroyable, les modeurs de... Les modeurs... Il y a eu beaucoup de modes qui se... De modeurs qui sont rassemblés pour collaborer. Il y a... Il y a eu... notamment... Block qui a travaillé sur la partie navale, des batailles navales, tout ça. Aidé là-dessus. Il y en a un autre qui s'est occupé de travailler sur le dragon. Il me semble que c'est peut-être encore un autre, ou sinon c'est le même avec le dragon, je sais pas. S'il y a Bielko dans le chat, bon, je pense pas qu'il y ait Bielko. Il pourra nous dire, mais... qui a travaillé sur les armes à deux mains et le dragon. Sinon c'est un autre gars qui a fait les armes à deux mains, je sais plus. Mais moi j'ai vu ces trucs-là passer sur le forum de modding. Le Discord de modding, pardon. Que les mecs développaient ces trucs-là, je les ai vus au compte-gouttes. Et là, le fait de voir tout rassembler dans l'expérience de jeu... Oh là là, quel con. J'y vais avec mes deux épées face aux 300 White Walkers. J'en ai rien à foutre. Elles sont magnifiques. On my orders, troop retreat. Allez, repliez-vous, sortez de la map. Et moi, je m'occupe d'eux. Ah, mais c'est vrai qu'on peut faire à la première personne, dis donc. Oh là là, je vole, je vole. Mes chers parents, je vole. Allez hop, on crame la gueule. Allez, encore. Encore. Oui. Repliez-vous, les copains. Repliez-vous. Je m'occupe d'eux. C'est fabuleux. Mais le fait qu'on ait ça dans un mode de Mountain Blade de Bannerlord, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie qu'on n'ait pas encore eu un RPG, Game of Thrones. On a ça. C'est quand même fou! C'est une dinguerie qu'on ait jamais eu un jeu Seigneur Zano qui fait le même genre de délire. C'est une dinguerie, genre! Comment c'est possible?
qu'on vive dans un monde où on peut pas mettre des gens passionnés qui seraient très contents de travailler sur ce projet. On leur donne plein de thunes et ils font une dinguerie. Non. Faut qu'on ait des jeux mobiles Game of Thrones à la con, faut qu'on ait des jeux mobiles Seigneur Zano à la con. Faut qu'on ait des jeux moyens avec un gameplay moyen, mais parce que c'est Seigneur Zano, ça devient ok. Mais y'a pas moyen d'avoir une dinguerie. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça y est, on voit plus rien, mon petit. Bon, allez, hop. Je repasse à la première personne. Salut, Capitaine, est-ce que tu as des nouvelles sur le mode Seigneur des Anneaux? J'ai pas pu te suivre ces derniers mois. Pas de nouvelles, y'a rien. Ça avance, doucement, mais voilà. Pour le mode Seigneur des Anneaux solo, c'est ça. Et pour le mode Seigneur des Anneaux multi, on va revenir avec Alliance. Là, on va revenir en septembre avec des événements. Et ben, rejoignez le Discord des combattants si vous voulez participer. J'ai peur de me faire casser la gueule si si j'essaie de les faire au corps à corps. Parce qu'ils sont vraiment... J'essaie de passer à côté et d'en tuer que quelques-uns. J'en ai eu un. Ils sont cinq. Cinq, c'est encore beaucoup, hein. Cinq à un contre cinq, l'IA elle m'encercle, c'est fini, hein. T'as de la marge avec le dragon. Non mais en fait j'ai de la marge avec mes mon arc. Hop, reste là, mon petit. Oh là là, comme c'est trop stylé. Oh, voir une bataille du dessous avec un dragon qui se balade, ça doit être trop stylé. Genre se battre dans l'armée de Daenerys ou un truc comme ça. Ouais, trop bien. Comment elle a perdu, en vrai? Je pense que les stats de la carte de campagne sont pas folles. Allez, venez vous battre. Venez tâter de mon arme à deux mains. Bah alors, il me fait pas une parade? Il me fait pas une attaque? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh! Il voulait juste mourir. Visiblement, le dragon l'a perturbé. Marrant. Hop. De l'or. Alors, encore merci. Une fois, on est sur un mode. Et l'expérience du dragon, là, c'est un peu bancal, quoi. C'est vraiment... J'ai l'impression de manœuvrer un bateau, quoi, vous voyez. Mais c'est quand même banger, quoi. Pour un mode, ça coche la cage très très bien, c'est exceptionnel. Elboob, merci beaucoup pour les 600 bits. Exceptionnel aussi. Hello, Captain. Petit cadeau en passant pour te remercier pour le contenu. Impatient de te voir sur Kingdom Come Deliverance 2. Impatient de vous partager cette grande aventure, j'ai trop trop hâte. Mais avant, on a plein d'autres choses à faire qui vont être aussi très très bien. Mais vraiment, Kingdom Come 2, c'est très très haut, c'est très très haut. C'est différent des autres trucs qu'on fait. Genre là, Game of Thrones et Seigneur des Anneaux, moi je prends un plaisir de fou malade. Mais c'est différent. La démarche du dragon. C'est-à-dire la démarche du dragon. Après, encore une fois, c'est un mode. La démarche du dragon, elle est très stylée pour un mode. Allez, on y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, pardon, excusez-moi. Round 2, fight! Exactement. Benjin Stark. Allez, viens avec moi, Benjin. Pour l'instant, laissez-les moi. Faut que je m'entraîne. Tant pis, il a une hache à deux mains, il va sûrement me faire des dégâts. Quoi? Comment ça? Oh non, quelle vie de merde. Oh là 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 là, comment ça j'ai pris de la vie là? Oh, j'ai pris midlife, bordel. J'ai fait ma parade et tout, j'ai pas compris. J'ai dû mal gérer quelque part, mais...
Aïe, 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 aïe. Bon, midlife, ça va être compliqué. Hein. Façon Night King. Est-ce que le message un petit peu de cette aventure, ce serait pas plutôt de dire que... Plutôt que d'avoir un héros incroyable, c'est le pouvoir de... Être ensemble, en groupe, on est plus fort. Il va faire que... On va gagner ce combat. Est-ce qu'il ne faudrait pas que... J'essaye de combattre avec mes camarades. OMG, on peut être ambidex. Bah c'est grâce au mod, encore une fois. Le mod qui rajoute ça. Ça marche vachement bien en plus. Hein. Ah mais il lance deux attaques là ? Ah, il lance deux attaques. Hein, quoi ? Effectivement. Le travail d'équipe sera essentiel. Après... Moi, je me dis... que elle pourrait tirer un carreau d'arbalète dès le début. Ouais, même Tyrion aussi. Je sais même pas où il est, Tyrion. Ah, il est là, il est derrière. On pourrait leur mettre des flèches dans la gueule dès le début et après j'envoie la charge. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Préparez-vous, ça va être maintenant. C'est là qu'il s'était pointé la dernière fois. Oh, il est on est un V3. Après, bon, c'est les deux... c'est les deux petits bâtards qui est en face. C'est pas genre deux marcheurs classiques. Allez, vas-y, je te déglingue. Avec mes potes. Oh, putain, il a pas bougé. Oh, mes épées. On a ces valériens, ça fait rien. Niquez-le, niquez-le, niquez-le! Niquez-le, niquez-le, niquez-le! Niquez-le, niquez-le! Oh là 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 là! Oh, ça paraît compliqué. Y'a moyen de les déglinguer comme ça? Oh non! C'est le seul moyen de gagner! Oh, j'ai plus de flèches! Non! Repartez dans l'ombre! Votre épée de glace... Ah! Votre épée de glace ne vous servira à rien! Saloperie! Ah! Non! C'est trop dur. C'est impossible. J'ai deux épées en acier valérien, ça fait pareil. Il n'y a pas de mécanique qui fait que l'acier valérien fait... sert à quelque chose. J'ai perdu. C'est pas possible, c'est pas possible! Et venant dans les dents. Je vois pas comment ça serait possible. À part en trichant quoi, en me mettant sur un caillou et j'utilise des flèches à l'infini. Amélioration de troupes au level max, non. Non, non, y'a pas de troupes qui peuvent rivaliser avec ça. Arya Stark, quoi, c'est ça. Il te faut 9 monstres avec toi, full stuff. Ah! Oh! Giant's Stair. Comment on fait pour avoir des géants? Ah, il faudrait que Man's Raider soit avec moi. Avec des géants, il y a moyen! Je pense que les géants, c'est les troupes qui se recrutent lorsqu'on est copain avec Man's Raider. Capture-les et recrute-les après.
Ah ouais? Ouais, ça semble être le seul moyen de faire. Halt. You want... Je suis désolé, mais... Oh non. Oh non, 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 c'est pas possible. Comme j'ai pas de, comme j'ai plus de vie, on me laisse pas faire le combat. Non, 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 non. Je dois sacrifier 10 hommes. Alors lui... Lui va payer pour tous les autres, lui. Oui, 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 Benjin Stark, je sais. Ça n'arrivera plus. Ah mais Nick. Ah c'est bon. Do you have anything? Casser la gueule. On my command! Géant, il faut 40 de répute avec le mec de la taverne des Ten. Ah ouais? Ok. Soldier, fall back! Et repliez-vous les copains. Move! Bon, et c'est là, c'est le moment des problèmes. Là. Non? On va se bloquer? Ils me tirent tous dessus. Oh, la barre de vie de mon... Allez, full vitesse, full vitesse. Laissez-moi avec vos javelots! Ah! Bon, ça a l'air d'aller. Ah, faut vraiment taper des esquives, sinon tu te fais baiser. Fais voir un peu si j'ai pris des flèches, hein. Ah, si, il y en a planté dans le... Ah, j'ai même pris des javelots et tout, hein. Donc, pas easy, le bordel. Fais voir si je réactive la... Ok, moi, j'ai plus trop de vie. J'ai pris un cinquième de vie là. Contre juste un petit groupe de petits gars de. De Free Folk. Comment est-ce que je peux faire? Genre je prends de la hauteur et je leur fonds dessus. Ça marche si je fais ça? Ça a l'air d'être pas mal ça, de partir de haut et de faire un piqué diagonal comme ça, la bam. Lors de tomber dessus, au moins je me prends pas des flèches moi. Au moins s'il y a un truc qui prend, c'est mon... Et où est-ce qu'il est? Alors... On n'a pas peur mon petit? Hein? Allez, prends ça! Ah non, ça envoie devant là, ça va pas du tout. Voilà, comme ça. En fait, le dragon qui crache devant, j'ai l'impression que ça, c'est pour se battre contre d'autres dragons. C'est une grosse armée, tu tombes vite, à mon avis. En vrai, en trois salves, tu tombes, hein. Ça, c'est une grosse armée. Ou tu te prends tout dans la gueule. Donc, en vrai, c'est pas easy. C'est pas easy. Et on n'a pas réussi à choper... on n'a pas réussi à choper Bordel, j'arrive plus à parler. Hop, hop, hop. Des géants, il n'y avait pas de géants. Alors là, il faut virer des animaux.
Ah ouais, d'accord. J'ai vraiment plus rien, quoi. En termes d'espace, on est sur une cata, là. Ok. Ok, là, ça passe. Ok, il y a un cheval en trop. On va plutôt prendre deux qui coûtent cher. Et voilà, on est bon. J'ai plus de malus pour me déplacer, juste les prisonniers, mais ça ira. Les White Walker, ils tègent. On va recruter les Stark à Winterfell. J'en ai pas besoin, là. Ah oui, il me refaudrait une armée, effectivement. On pourrait partir là-dessus. Non, mais ouais, clairement, objectif... objectif, tuer le roi de la nuit avec des géants. Ça semble être le seul moyen. Donc en vrai, tant que cette mission n'est pas faite, on y va, hein. Alors là, il y a 250 archers. Je suis bien rouge, je me suis gratté. Ça j'y crois bof, hein. Les Stark, c'est la seule faction où tu peux recruter une armée directe. Il me semble, hein. Ah non, je peux recruter des soldats de la nuit. Des merdes. Des gardes de la nuit, des Night's Watch, bref. Parce que j'ai une bonne relation avec le Lord Commander. Donc effectivement, pas besoin d'aller jusqu'à chez les Stark. Ah non, il n'y a pas l'air d'y avoir de troupes d'élite, j'ai l'impression ici. Terra, machin. Non, non, non. Y a pas moyen, je crois. Ou sinon, c'est un autre endroit que Castle Black, mais... On peut pas recruter un White Walker après un certain temps, je pense pas. Si ça marche comme ça... Ah, c'est pas trop marrant. Tigre Rougeau, pardon, j'avais pas... Je suis passé à côté de ton abonnement, il y a 5 minutes. Merci beaucoup d'avoir pris un abonnement niveau 1. Premier mois d'abonnement pour soutenir, merci beaucoup. Exceptionnel. C'est d'avoir franchi le pas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez hop, on va aller faire un petit tour au sud. Let's go. Allons chercher des troupes Stark. Rob Stark, il va pas encore ses yeux. Un dragon ! À terre ! Tu veux pas m'aider avec mon histoire de Lannister ? Non, désolé, j'ai une mission plus importante. Je crois qu'il y a un PNJ qui permet de recruter des Night's Watch qui suit Sir Mormont. Et il suit le Lord Commander. Ah bon? Non, ça me paraît bizarre ce que tu dis. Darkness Poulet, merci pour le deuxième mois d'abonnement, exceptionnel. Merci pour le Prime. Merci d'avoir décidé de claquer le Prime ici. Regardez, là par exemple, je suis à Winterfell, je peux parler à Sir Roderick. Sir Roderick, c'est le PNJ qui est là pour me donner des troupes. Party. Hop, il m'en manque 60. Well now, stranger. Rien, tout va bien. Hop. Et encore, encore, encore. Et là, il m'en manque 5. Donne-moi-en 5. Donne-moi-en 5, Roderick. Oui, tu peux t'asseoir, y'a pas de soucis. Je sais que tu te vieillis un peu, mais... On est bon ? Hop là, j'appuie sur la touche P pour ceux qui savent pas.
pour ouvrir le menu de groupe comme ça. En plein milieu d'une scène. Pas besoin de retourner sur le... Pas besoin de retourner, sur la carte de campagne pour appuyer sur le bouton. Les troupes comme ça à White Harbor, elles sont particulièrement stylées. Il doit y avoir plein de troupes d'élite vachement stylées comme ça. Les troupes Lannister doivent être stylées de fou. Les troupes du roi à King's Landing, les Golden Clock. Ça doit être exceptionnel, les manteaux d'or. Hein. Comment t'as eu le dragon, c'est d'aujourd'hui, ouais. Ah ouais. Tu pourrais regarder ça dans le premier épisode de la saison 2 de Brandon Snow. Mais sinon, il faut aller à une ville spéciale et aller parler à des persos, puis après faire un duel qu'il faut gagner, et après tu gagnes un dragon. C'est plus un easter egg marrant et cool que et la possibilité de jouer avec un dragon, quoi. Qu'une vraie fonctionnalité avec une quête très compliquée, machin. C'est plus, ils ont mis les dragons, Daenerys a un dragon. Bon, si le jeu arrive un dragon, et qui sait, il peut aller là-bas, quoi. Mais sinon, dans l'expérience de base du mode, c'est pas pensé pour que t'aies un dragon, quoi. Sauf si tu connais ce petit truc et que t'as envie de t'amuser avec. C'est quoi le nom du personnage? Je sais pas, Malégor, un truc comme ça. Tu pourras... Oh, l'armée. Sir Mormont! Lord Commander, come with me! Oh, bah attends. Non, mais ça va être clair. Ça va être très très clair. Hop, hop, armée, disband. Tac. Et hop, on rassemble toute la Night's Watch. Allez avec moi. Ramenez-vous. Summer Island. Une autre maison qui est tombée. Oh, c'est stylé. La garde de nuit qui vient se battre avec le dragon. Manslayer, give me your giants. Attends, il me faut encore, j'ai encore un groupe là. Il a emprisonné Jon Snow en plus. Et je libérerai Jon Snow. Et voilà, le grand combat. 700 hommes de la nuit plus. Le dragon, parce qu'il y a un milliard de géants là. L'armée, la grande armée de Manslayer a réussi à passer le mur. Et j'arrive un peu tard pour défendre, mais on est là. Avec des renforts des Stark qui iront en première ligne. Est-ce que j'ai pas juste la possibilité d'améliorer ceux que certains que je viens de choper? Ouf, on va faire ça et puis voilà. Brandon Snow a gagné le niveau, dis donc. Hop, on va mettre sur l'arme à deux mains. Là, on va dire... Allez, plus de dégâts aux montures. Test de déplacement. Et on va augmenter sur... Sur ça, ça sera très bien. Voilà, bon. La grande armée. On attend... Cette bataille et la suite de cette aventure, ce sera pour le prochain live. Et YouTube, ce sera au prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le petit épisode qui arrive et toutes les aventures qui vont suivre. Merci pour... Non, pas la pub, non. Ah, c'est pas la pub. Non, parce que là, c'est la fin du live, il est 23h12. Ça fait déjà 1h12 qu'on fait de drab comparé à d'habitude. Non, pas comme ça. Et oui, d'habitude, Twitch, YouTube, les viewers de Twitch sont pas tout le temps avec vous parce qu'ils ont la suite directe. On fait dans la volée, quoi. Là, c'est la fin du live. La bataille, non. Et ouais, on fera ça dans la semaine. Et là, le problème, c'est que je peux pas vous dire quand. Si vous voulez être sûr de pas rater ça en live, vous allez sur le Discord des combattants. Lien dans le chat si vous ne l'avez pas. Dans la description YouTube si ça vous intéresse, mais à mon avis ça sera déjà filmé le temps que vous voyez cet épisode. Il y a un nouveau channel Actu Fracas. C'est vraiment le truc vers lequel aller lorsque j'ai un live à vous puber,
lorsque j'ai une annonce un peu à vous faire, par rapport à moi et pas forcément par rapport au Discord des combattants ou autres qui rassemble toute la communauté, quoi. Ou toute la communauté a besoin, ça partira dans l'annonce. Mais Actu Fracas, voilà, c'est là-dedans que ça va partir. Et dès que vous demandez quelque chose par rapport à Captain Fracas et que vous voulez des nouvelles, c'est là-bas qu'il faut aller maintenant, ok? Et du coup, s'il y a un live qui était prévu mais qu'il est en retard pour un problème technique, j'ai un problème personnel dans ma vie ou quoi, c'est là que je vais vous dire « Ah, désolé, j'ai un retard, X ou Y raison, même peut-être que je ne vais pas vous dire la raison, je ne sais rien. » En tout cas, je vais vous dire « Ah, il y a un problème pour le live, machin. » Et du coup, là, ce live-là, comme je sais que potentiellement, il y en a, ils vont être en mode « Je vais être là dès que ça arrive », je vous dirai « Tel jour à telle heure, on refait le live. » Tout ce que je sais, c'est que demain, on fait live Harry Potter, Peter Fracador, ça va être rigolo, ça va être un autre thème. Mais je pense pas qu'on va avoir du Game of Thrones à ce moment-là. Et plus tard dans la semaine, on va avoir du Space Marine. Peut-être qu'on fera un peu de Game of Thrones avant, mais je suis pas sûr. Voilà, voilà. YouTube, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Si ça vous a plu, encore une fois. Et on se retrouve au prochain combat. Ciao, ciao.